nouvelle session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Le couple royal belge enfant à Kinshasa, Philippe roi de Belge et la reine Mathilde ont foulé les sols de la capitale ce mardi 7 juin 2022. Le couple présidentiel était au tarmac de l'aéroport international d'Ndjili pour l'accueil. Arrivée du couple royal, toujours, que pensent les Kinois de la présence de roi des Belges en RDC? Les avis des uns et des autres à suivre dans ce journal. Pendant ces temps au nord Kivu, les bruits des canons continuent de retentir. Les FARDC ont annoncé une énième attaque de leur poste, ce en dépit du cessez-le-feu exigé aux deux parties. Le couple royal belge est arrivé ce mardi 7 juin 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis à l'aéroport international d'Ndjili par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. Depuis son investiture en juillet 2013, c'est la toute première fois que le roi Philippe débarque en RDC, ancienne colonie belge. À l'aéroport international d'Ndjili, une poignée de personnalités a constitué le comité d'accueil dont les présidents de deux chambres du Parlement, le Premier ministre, les Premiers ministres et quelques membres de son gouvernement ainsi que les chefs de confessions religieuses. Le programme de la visite du couple belge prévoit ce mercredi un tête-à-tête avec le chef de l'État, mais aussi la décoration du caporal Albert Kouyoukou, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Jeudi 9 juin, le couple royal va se rendre à l'ambassade de Belgique pour une visite. Au cours de la même journée, il va échanger avec le docteur Jean-Jacques Muyembe. La fin du séjour du roi Philippe en RDC va se clôturer après une visite à Lubumbashi et à Bukavu. De réactions fusent de partout quant à la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo. L'arrivée de Philippe, roi de Belge et de la reine Mathilde est bien perçue par une opinion qui attend tout de même de la Belgique reconnaissance et réparation pour les crimes et préjudices commis pendant la colonisation. Je suis vraiment très d'accord de son arrivée. Grâce à son arrivée que nous pouvons nous mettre ensemble et puis bavarder et puis pour trouver des solutions à tous ces crimes qu'ils ont posés au Congo. La diplomatie de M. Félix a quand même donné quelque chose. Ça fait plus d'une décennie que le pape, que ce soit le pape, que ce soit le roi belge, ils ont déjà quitté le pays pendant très longtemps. Maintenant, comme il revient, bon, c'est quelque chose pour nous les Congolais. Pour certains autres, la visite du couple royal de Belgique a de bien le fait d'être une occasion pour honorer la mémoire de Lumumba. L'arrivée du roi est l'acceptation de la Belgique de pouvoir honorer la mémoire de Lumumba. Je crois que ça, ce sont des choses là auxquelles les Congolais, nous attendons à ce que le roi puisse réparer tout cela. Nous ne connaissons pas les conditions normales ou les vraies conditions par lesquelles Lumumba était mort. Au regard de la situation sociopolitique du pays, une autre frange de l'opinion ne se sent concernée ni de près ni de loin par cette visite tant qu'elle ne change en rien leur vie au quotidien. Le roi Philippe n'a aucun discours à donner dans ce pays. Connaissant l'histoire de notre pays avec la Belgique, et jusqu'aujourd'hui nos cœurs saignent. Nous, cette génération, ben voilà. Si c'est ce régime qui permet que le roi Philippe arrive ici et l'acclamer, mais je dirais que jusqu'aujourd'hui, nos cœurs saignent parce que ce sont eux qui ont tué Lumumba. Ils nous ont colonisé 80 ans durant. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu dans ce pays? Nous connaissons nos politiciens. Ils sont derrière les impérialistes, c'est-à-dire les impérialistes sont derrière eux. Ils sont là. Ils sont là pour leurs intérêts mesquins. Quelle mobilisation? Mobiliser ce peuple affamé, aller accueillir un roi belge. Rappelons que la visite du roi Philippe s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de relations entre les deux pays, mais également de la coopération bilatérale entre le royaume de Belgique et les pays de Patrice Emery Lumumba. Deux militaires FARDC tués le lundi 6 juin à la suite des tirs des obus et canons par les rebelles M23 dans le groupement Djoumba dans les territoires de Rutshuru. C'est les bilans dressés par les porte-parole du gouverneur militaire de Nord Kivu. Cette énième attaque
intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales. Et en dépit de la réunion de Goma, des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Les chefs de confession religieuse s'engagent à soutenir et à vulgariser les réformes de l'administration publique entreprises par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. C'est ce qui ressort de la rencontre qu'a eue le patron de la fonction publique avec la délégation des hommes de Dieu, conduite par l'évêque général Dodo Kamba. Nous avons reçu l'invitation du vice-premier ministre de la fonction publique pour nous partager autour de certaines réformes qu'il a initiées dans ce ministère. Je l'ai dit avec mon cœur, vous ne savez pas combien nous souffrons à chaque fois que nous recevons nos fidèles qui se plaignent, des gens qui meurent pour avoir travaillé longtemps au niveau de la fonction publique sans avoir une rémunération convenable, combien de familles sont divisées. Nous nous disposons non seulement à prier pour que cette initiative fasse bon chemin, mais aussi nous prenons l'engagement ferme de pouvoir vulgariser ce message, faire un travail de sensibilisation. Vous savez, de telles initiatives ne sont pas seulement à louer, mais à soutenir en même temps. À cette occasion, les princes des églises ont été informés du déclenchement du processus d'identification biométrique des fonctionnaires dans le fichier de référence de l'administration publique et du transfert de retraités rentiers civils du système octroyé vers le système contributif porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SANSAP en vue d'améliorer sensiblement la pension. Des initiatives courageuses qui viennent du vice-premier ministre sont allouées à leur juste valeur, également à soutenir. Ça relève l'espérance et l'espoir de vivre. Et nous disons à tous ces fonctionnaires qui prient dans nos églises, qui sont dans des mosquées, qui sont tout simplement croyants, que nous pouvons encore apprendre à compter sur quelques personnes qui savent se distinguer au niveau des autorités de notre nation. Nous encourageons et nous disons, l'espoir est en train de naître. Rappelons que les réformes de l'administration publique visent la modernisation des services publics, l'amélioration des conditions sociales des agents, la mise à la retraite des agents éligibles, ainsi que le rajeunissement de l'administration publique. Chose promise, chose due, comme annoncé le député provincial de Kinshasa, dont le membre du bureau, le corps administratif ainsi que les assistants parlementaires étaient en sit-in ce lundi 6 juin à Kinshasa devant le bâtiment du ministère des Finances. Dans leur cahier des charges, le paiement de leurs frais de fonctionnement de 3 mois. Après avoir été reçu par le ministre des Finances, c'est le vice-président du bureau Francis Tshibalabala qui relève les retombées de leur action. Nous venons d'être reçus par le ministre national des Finances et nous lui avons fait part justement de revendications des élus provinciaux de Kinshasa. Nous avons porté la voix aussi des administratifs de notre assemblée provinciale, des assistants parlementaires et même des frais de fonctionnement, parce que comme vous constatez, ça fait pratiquement plusieurs arriérés, plusieurs mois, nous n'avons pas accédé aux frais de fonctionnement, ce qui paralyse justement notre assemblée provinciale. Et voilà que le ministre a été attentif, il nous a promis justement de régler 2 mois. Donc le mois de février et le mois de mars. S'agissant d'autres mois déjà passés, Francis Tshibalabala annonce la poursuite des pourparlers pour une solution définitive. S'agissant des arriérés qui couvrent les années antérieures,
il va tout faire pour les éponger graduellement, compte tenu aussi des difficultés financières. Donc avec la mobilisation des recettes qu'ils ont enregistrées, ils vont tout faire pour commencer à éponger petit à petit justement les dettes antérieures. Mais par rapport à cette année, en règle, il va régler le mois de février et le mois de mars. Il faut noter que ces élus réclament le paiement des frais de fonctionnement pour le mois de février, mars et avril, mais aussi leurs arriérés des salaires. Initialement prévu le lundi 6 juin à 10h, les audiences en appel au Conseil d'État en matière de contentieux de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans les provinces de la Mongala, la Tchopo et du Maniema ont connu des longues heures d'attente sans une communication officielle de la part des juges des Conseils d'État pourtant présents sur place. Une situation qui a indigné le président national de l'Association congolaise pour l'accès à la justice qui voit une manœuvre tendant à retarder les déroulés du procès. Laissez-moi vous exprimer mon inquiétude par rapport à la manière dont les audiences sont organisées depuis un certain temps dans notre pays, principalement devant les plus hautes juridictions. Le constat malheureux que nous avons fait à ce jour est que les magistrats du siège, c'est-à-dire du Conseil d'État, n'ont pas respecté les règles de procédure. Ils donnent l'impression de ne pas être soumis aux lois de la République, moins encore à leur propre règlement intérieur. Relevant de graves erreurs contenues dans le prononcé des verdicts rendus par les Conseils d'État concernant ces élections, Georges Kapiamba appelle le premier vice-président du Conseil d'État à se ressaisir lors des procès en appel. Nous demandons de prendre des dispositions, principalement le premier président du Conseil d'État, de prendre des dispositions pour que ce genre de choses ne se répètent plus jamais. Parce que ça démontre tout simplement que les magistrats, les juges du Conseil d'État se considèrent comme n'étant pas soumis aux lois de procédure. C'est inacceptable dans un état de droit, d'autant plus que l'année prochaine, vous savez, nous aurons des échéances électorales importantes. Considérant également que les verdicts du Conseil d'État obéissent à la volonté des politiques, le président de cette ONG des défenses des droits de l'homme appelle à l'ouverture d'une enquête par les conseils de la magistrature. La justice, au lieu d'obéir aux lois, comme la Constitution le dit que les juges n'ont de guide que la loi, la seule loi, ils ont principalement obéi aux dictats politiques. Nous avons beaucoup de preuves, que ce soit en ce qui concerne les contentieux sur la Mongala, la province de la Mongala, la Tchopo et Maniema, nous avons constaté, nous avons des preuves que les juges n'ont pas appliqué les droits, ils ont appliqué les injonctions à caractère politique. Nous demandons formellement à ce que ce genre de choses cesse. Georges Kapiamba s'inscrit en faux contre la radiation de la liste électorale par le Conseil d'État du candidat Limbaya César, déclaré pourtant élu dans la province de la Mongala, ainsi que de l'annulation des élections de Palata Tony et Kishabongo Hubert, respectivement élus de la province de la Tchopo et du Maniema. Polémique FEC-RPTC, après la guerre de communiqués, leurs réactions se multiplient, les unes pointant du doigt l'autorité de régulation à qui l'on reproche de pouvoir imposer aux télécoms une nouvelle version de la taxe RAM avec un autre mode de prélèvement. Pour d'autres encore, les entreprises de téléphonie mobile qui jouissant de la largesse de l'État congolais sur bien de choses refusent de s'en acquitter, briguant l'augmentation de tarifs comme menace chaque fois qu'on leur demande des comptes. Edmond Izuba est journaliste responsable d'opinioninfo.cd, un de médias en ligne lu en RDC. Sa rédaction s'épanche depuis peu sur le dossier qui du régulateur et des opérateurs à tort. Edmond a eu le temps de faire son opinion sur les sujets. C'est une guerre de communiqués qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, depuis l'instauration de la taxe RAM, les opérateurs économiques de la téléphonie mobile n'ont jamais été d'accord avec le gouvernement. Ce qu'on constate, c'est que la société qui gérait cette taxe n'est pas partie. La société y est restée et vous aviez suivi même les communiqués de l'RPTC pour dire désormais la rémunération des agents de l'RPTC sera ponctionnée cette fois-là
d'une autre manière. Alors cette manière, c'est quoi? C'est-à-dire le gouvernement se rabat cette fois-ci chez les opérateurs économiques. Au lieu que la pression soit du côté de la population, c'est maintenant les opérateurs économiques qui en paient le frais. Pour rappel, cette polémique autour de l'augmentation des tarifs des services de télécommunications vient après celle du prélèvement de la taxe RAM ponctionnant les crédits des abonnés. Taxe rejetée par les abonnés dont le gouvernement a été obligé de suspendre le prélèvement. Tous vêtus de tenues arborant de couleurs et emblèmes de leur parti, le militant cadre et haut cadre de l'Alliance pour l'Unité du Congo ont inondé l'espace Kanda situé en face de la paroisse Christ-Roi dans la commune de Kasavubu. Tous réunis pour un seul rendez-vous, la matinée politique organisée en marge d'une année d'existence de cette formation politique. Matinée politique animée par Élisée Mujinga, secrétaire général de l'AUC, autour du thème « Congolais debout et conscient ». Après présentation des cadres, Élisée Mujinga a saisi la balle au bon pour sensibiliser à un soutien tous azimuts de la population aux forces armées congolaises au front contre les groupes armés qui attaquent le pays. Face à cette situation, elle a appelé tout un chacun à mettre de côté sa couleur politique, mais à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Objectif Nabiso ezali ko susite ba membre ya AIC na ba parti allié na AIC pona ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka ko soutenir mokonzi ya mboka tozali agressé na mboka ya Rwanda mokonzi ya mboka azo luka soutien ya biso nyoso ndenge to fandi awa toko soutenir rien na mabonde li. Donc soutenir rien à dénoncer. Et donc il y a ma belle place et ça y a kobombana. Donc soutenir rien à dénoncer. Batu ya ma belle. Soutien à Bisso et Zali Maka si pour na mokonzi ya mboka. La secrétaire générale de l'AIC a aussi appelé les Congolais et Congolais à éviter les discours à caractère tribal, mais à privilégier l'unité. C'est sous une ambiance conviviale qu'est s'est clôturée cette matinée politique. Un calvaire, un cauchemar, un fiasco, une humiliation, autant de mots ne peuvent suffire pour exprimer ce qu'ont vécu les sportifs de la RDC. La raison, la défaite des Léopards de la RDC par 0-1 devant les Panthères du Gabon samedi au Stade des Martyrs dans le cadre de la première journée du groupe I des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 0-1 pour les Gabonais, un scénario qui a tout déjoué de l'occasion des vengeances rêvées par les sportifs congolais. C'est là, après la noyade par 0-3, concédée à Franceville aux éliminatoires de la CAN 2021. Tous les ingrédients d'une vengeance étaient au rendez-vous, entre autres l'arrivée en catastrophe des Panthères à Kinshasa au départ de Barcelone via Paris. Chose curieuse, sur terrain, les Léopards, inoubilés par cette vengeance, sont tous passés à côté de la plaque. Rien ne réussit aux Congolais sinon aux Gabonais, déjà auteurs d'un but conservé au prix d'un héroïsme extraordinaire au point de déjouer tous les pronostics. Les Léopards sont tombés sur le piège de l'arrivée tardive des Gabonais. Juste un faux pas du départ dont il faut se relever très vite, ou plutôt ce mercredi au Soudan contre les Crocodiles du Nil, dans un duel des perdants contre les Léopards déjà à Khartoum pour un nouveau départ. C'est vrai qu'on a eu des débuts difficiles, on aurait espéré démarrer d'une manière différente. Maintenant, comme j'ai pu le dire à mes coéquipiers, il reste encore beaucoup de temps, encore beaucoup de matchs pour faire beaucoup mieux. Et ça va commencer par ce match au Soudan qui arrive très bientôt. On est déçus mais pas abattus. Nous sommes des professionnels, nous savons que nous avons fauté sur ce match-là. À nous de faire beaucoup mieux, on ne peut pas faire pire que le premier match. Je ne lis pas l'avenir, malheureusement, mais tout ce que je sais, c'est que ce groupe-là a beaucoup de talent. Il y a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont beaucoup d'envie également. Après, à nous, les joueurs et aussi le staff, de nous unir et d'être ensemble pour trouver la solution pour améliorer les points positifs qu'il y a et corriger les points négatifs qui sont aussi là. Pour ce nouveau départ, défaite interdite aux Congolais de se sublimer pour un résultat positif. Cela même si le Soudan sort d'une lourde défaite de 0-3 face à la Mauritanie, prochain adversaire des Panthers du Gabon.
C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Restez branchés à nos programmes.